à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Loge One. Je suis désolé, Alexis est malade donc il pourra pas être là. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Rien. En fait, je fais ma bande démo de comédien. Tu veux qu'on tourne le Loge One là? Tu m'avais dit qu'on le ferait demain tous les deux. Hey, là, je tournais pas le Loge One sans toi, ça va pas ou quoi? Être ou ne pas être, telle est la question. T'es pour les bandes démo, tu restes là? Si tu veux faire la vidéo sans moi? Non. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les cheveux d'Alexis et moi-même sommes là pour le nouvel épisode de Loge One. On est là tous les deux. Donc, aujourd'hui, épisode un peu spécial. Parce qu'on va vous emmener voir. Attendu que ça, oui, c'était pour le focus. Alors là, je sais pas si vous attendez à ce qui va se passer, mais on va quand même s'immiscer dans les bureaux de Stage Entertainment. Pourquoi, Alexis, pourquoi allons-nous dans les bureaux de Stage Entertainment? Pourquoi? On en a parlé. On va essayer de savoir quelle sera. Parce que la question... Le nouveau... Qui va remporter la Star Academy 27? Qui est qui? Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi. Parce que la question que tout le monde se pose, qui brûle les lèvres de beaucoup de gens, c'est quels sont... Bah, ça va pas te brûler. Tu veux de l'eau? Quels sont les prochains projets de Stage Entertainment? Alors on sait... Grease cette année, Chicago l'année prochaine, mais après, notre mission aujourd'hui, c'est aller dans les bureaux à la recherche, à la pêche aux infos. Le tout incognito, évidemment. Parce que c'est toujours un secret extrêmement bien gardé, les nouveaux projets de Stage Entertainment. À chaque fois, ils arrivent chaque année avec une nouvelle surprise, où nous, on dit « Ah, moi, je suis sûr, ce sera ça, moi, je suis sûr, ce sera ça. » Et en fait, Et en fait, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Jamais. Et on s'est dit que la réponse, vous pouvez la trouver où? Dans le bureau, évidemment, du PDG de Stage, Laurent Bentata. On va se mettre en condition, on va se changer. Tu te souviens du dress code qu'on s'était dit? Je l'ai dans mon sac. Go. T'as vu mon débardeur? Non, il est pas sur le côté là? Ah! Il est là! Et voilà! Qu'est-ce que c'est? Mais on avait dit genre on met un débardeur un peu sportif? Non. Toi t'avais dit débardeur, moi j'ai dit protection. Non, on avait dit sport. Et ben ça c'est pas sport ça! Mais ça m'angoisse d'aller là-bas, alors du coup j'ai pris deux coussins, le truc de protection et le truc incognito. Comme ça là je me fonds dans les murs. Je vais pas garder ça du coup. Là, faut que tu mettes un gilet et puis en plus t'as perdu des bras. Non. Petit soldat. Chut. Qu'est-ce que tu fous? Bah je suis l'incognito. Mais tu mets pas à quatre pattes, quoi. Bah si, parce qu'il sait me voir. C'est pas le bon bureau. Ah. Continue comme ça, c'est super. Dans les vidéos? Non. Est-ce que tu sais si Laurent est là? Non, il est pas là. Ah, il est pas là? Non. T'as vu que la vue est beaucoup plus dégagée que là où on est nous? Beaucoup plus. Et sinon, tu... Tu sais si Laurent est là? Non. Bah, merci beaucoup. En tout cas... Pince. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Bah je sais pas, tu m'as dit pince, moi je te donne une pince. Bon, de toute façon en vrai c'est ouvert donc tu feras un montage, genre j'ai ouvert avec ça. Ok. Oui parce que là en fait ça sert à rien ce que tu fais. Non, vas-y ouvre pour moi. Oh. Oh.